on est bien heureux, l'équipage de Papillon nous a invités pour faire un week-end à bord de leur bateau sur une régate. Une grande première pour nous. En ce moment, c'est un peu la tempête. Alors, en attendant la régate, on en profite pour aller visiter l'arrière-pays pendant 2 jours. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est magnifique. Préparation pour une régate. Qu'est-ce que ça fait de se préparer pour une régate? Bah c'est bien, hein. On mange des biscottes. Et oui. Petit déjeuner de chef. Tout va bien. Préparation de la régate. Pizza, cake, rhum, bière. Ça risque d'être une régate sportive. Alors, prête? Ça s'excite sur le ponton. Oh oh, tout le monde s'excite, mais qui va gagner? Force 1 à 2 aujourd'hui. Installation dans la suite nuptiale. C'est quoi, j'irai naviguer chez vous. Version papillon. Le rhum pour patienter et attendre le vent. On va quand même pas naviguer avec les pare-battes. On n'est pas sur Lady M ici. Tout le monde est sur le qui-vive. Alors, les impressions avec ta Ferrari. Ils ont laissé la barre au pro. On enlève l'ancre parce que ça ralentit. Ça s'excite, hein. On a qu'une manivelle. Ouais. Alors la rigatière. Là, il faut rentrer le génois. Non. Il faut rentrer le génois à l'intérieur. Stop. Arrêtez de le border. Oh putain, on n'est jamais aussi près de la ligne. C'est vraiment parce que vous êtes là qu'on fait ça. Hein. Allez, on va y aller, on va aller derrière la ligne. Allez, borde. Les bordes sont aussi. Reste comme ça. Choque un peu, ouais. Allez, borde. Toi aussi, Justine. Stop. Vas-y, Bjorn, vas-y. La régate est sur 2 jours. Et pour ce samedi, il y a très peu de vent. Mais bon, c'est comme ça. Et finalement, c'est super intéressant de faire avancer son bateau avec peu de vent. Alors, on apprend. On tire. Allez, go. Lâche, Justine. Pas trop. Lâche. Voilà, laisse-la respirer la voile. Thank you.
C'est la première fois qu'on fait une régate et c'est rare qu'on navigue sur le bateau des autres. Alors, on écoute les bons conseils et on essaye de ne pas trop faire de bêtises. Relayé, encore mort, on fait ajuster le bateau. On a finalement réussi à trouver notre place sur le bateau. On se met tous d'un côté pour faire pencher le bateau et diminuer la surface de glisse. Naviguer en régate, c'est l'occasion aussi d'apprendre un peu les réglages de voile. Du coup, on apprend à naviguer avec les penons, les petits brins de laine, et comme on va pas bien vite, c'est d'autant plus intéressant. En plus, c'est classe, il y a des bateaux derrière, on n'est pas les derniers. La presque pétole est arrivée et il va falloir sortir l'arme spéciale. Je suis embuté moi je crois. Lâche-le Hélène. Ouais. Choc, choc. Choc. Ça y est, c'est officiel, c'est la vraie pétole. Il n'y a vraiment plus de vent pour avancer et on est obligé de se résoudre. Comité, comité pour papillon. Ça va ? On est loin, je ne sais pas s'ils vont nous entendre. Tu veux de la lave ? Ouais. Abandon de papillon, on vous rejoint tous au moteur. Ok, tout à l'heure. L'abandon. C'est ça. C'est bon, on a du renfort. Froid, ciel gris, Santa Lucia. Capitaine a sorti la veste de car, il est sérieux. On cherche la ligne de départ. La ligne de départ, difficile à trouver. Le départ d'une régate, c'est toujours super impressionnant car tout le monde est côte à côte. Et nous, ça nous rassure qu'à moitié.
Et voilà comment s'est déroulée notre première régate. On n'est pas arrivé premier, mais bon, on a bien participé et on s'est bien marré avec l'équipage de Papillon. On tenait d'ailleurs à leur mettre une spéciale dédicace, parce qu'ils nous ont accueillis tout le week-end, et c'était vraiment super de vivre ça avec eux. De retour à Bonport. De retour à Bonport. Fin de régate. Papillon presque premier. Presque. On espère qu'on refera bientôt une nouvelle vidéo de J'irai naviguer chez vous, car nous, ça nous a beaucoup plu. Alors, à très bientôt pour de nouvelles aventures.